année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Les 40 jours, c'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur. Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Les 40 jours, c'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur. Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi. Pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Les 40 jours, c'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur. Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Les 40 jours, c'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur. Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Les 40 jours, c'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur. Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Les 40 jours, c'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur.
Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête. C'est la conclusion de mon année de grâce au Seigneur. Ça nous amène à la célébration des bienfaits de Dieu durant toute l'année. C'est ma préparation à cette grande fête de moisson. La moisson, c'est l'expression de ma gratitude envers Dieu que je démontre par mon offrande de prémices. C'est le summum de mes délivrances à travers l'année que je dépose au Seigneur. C'est aussi la constatation de la fidélité de Dieu à travers la grande famille de l'Église. La moisson, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour toi, pour nous. Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Es-tu dans ce 40 jours de préparation à cette grande célébration de moisson? Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était vrai du temps de David qu'il était agréable, doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'était vrai pour les chrétiens de l'Église primitive de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Aussi, permettez-nous de vous exprimer notre joie de nous réunir ensemble dans la présence de notre Dieu pour lui offrir notre adoration dans les mots du psalmiste dans le psaume 95, verset 1 à 3, qui dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel, notre Dieu, est un grand Dieu. Bonne adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes content ce matin d'être dans la présence du Seigneur? Amen. J'ai besoin de une ou seulement deux personnes qui sont contentes. À main levée, est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Est-ce que le Seigneur a fait au moins une chose pour vous cette semaine? À main levée, est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour vous cette semaine? Moi, je suis contente d'être dans la présence du Seigneur. Semaine après semaine, il me fait grâce. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous. Et si vous êtes venu ce matin par habitude ou bien avec un cœur découragé ou un cœur attristé, je souhaite que vous puissiez trouver ce quelque chose qui va pouvoir vous fortifier puis repartir cette semaine. Donc, je vous invite à faire cet exercice de pouvoir adorer le Seigneur, pas parce que c'est dimanche après dimanche, mais parce qu'il est le Dieu des dieux et il mérite cette adoration. Si vous êtes vivant ce matin, c'est grâce à lui. Si vous êtes ici ce matin, c'est grâce à lui. Si vous avez pu passer à travers cette semaine, c'est grâce à lui. Donc, juste pour ces trois sujets, je vous invite à donner la meilleure adoration de vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je vous invite à chanter avec le groupe de louanges qui dit « Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, pas quand ça va bien, mais quand ça va mal aussi. » Parce qu'il est le roi des rois. Donc, on va apprendre à lui dire merci. Chantez avec moi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Apprendre à te dire si je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer.
toutes circonstances. En toutes circonstances. Apprendra te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je je te donne ma vie.
lui donner votre vie. Et je te donne ma vie. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. La lecture a été faite dans le psaume 95. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père en Jésus-Christ, nous t'exaltons, nous te louons, nous te disons merci. Merci de ce que nous sommes tes serviteurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes réunis ce matin pour te dire merci. Nous sommes réunis Seigneur pour pousser des cris de joie vers toi Seigneur. Pour te dire que tu es un grand Dieu. Un Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Nous sommes réunis pour te dire, Seigneur, que tu es bon pour nous, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre place. Que ton Saint-Esprit puisse prendre place parmi nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse coordonner, ordonner tout ce que nous aurons à faire ce matin. Assistez-nous, Seigneur. Assister le dirigeant, assister le cœur de louange, assister les personnes qui sont à la caméra, Seigneur, le prédicateur du jour. Nous te demandons d'assister les personnes qui sont à la maison et même les personnes qui auront à écouter ce service, Seigneur, en différé. Daigne les assister. Nous t'en prions ainsi. Au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a appris à prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent. Amen. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur en t'adorant. Je vais être tes disciples à mon sauveur. 168, français, chant d'espérance. À tes pieds, ô
On va reprendre le deuxième couplet. Faites place aux voix humaines. Façon alternative, le psaume 104. Le psaume 104, versets 1 à 14. Nous allons lire de façon alternative. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il forme avec les eaux le feu de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il abreuve tous les animaux des champs et les ânes sauvages y étanchent leur soif. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée de fruits de tes œuvres. Il est plein de fruits.
Amen. Maintenant, on va faire, on va continuer encore de façon commune maintenant. Toujours le psaume 104, versets 33 à 36. Versets 33 à 36 de façon commune. Ensemble. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui seront agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Si vous existez, je vous invite à faire une prière commune d'action de grâce en disant à l'Éternel, en faire ressentir, ressortir à l'Éternel des paroles qui lui sont agréables. Prions ensemble. Adorable Père en Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es grand, Seigneur. Tu as établi des fondements, Seigneur, sur la terre. Tu as fait, Seigneur, des choses merveilleuses, Seigneur. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux, Seigneur. Ce que tu as fait, personne ne peut te conquérir, Seigneur. Personne, Seigneur, ne peut te rivaliser, Seigneur. Nous venons, Seigneur, pour te dire que nous voulons te dire que tu es un Dieu, un bon Dieu pour nous, Seigneur. Je chanterai. J'aimerais chanter, Seigneur, en ton honneur, tant que j'existais. J'aimerais, Seigneur, te louer tant que j'existais. J'aimerais, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Combien, Seigneur, oh Dieu, aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu es bon pour nous, Seigneur. C'est parce que tu as préservé, tu nous as préservé de tout, Seigneur, des malheurs. Tu as protégé nos enfants, Seigneur. Tu nous donnes à manger, tu nous donnes un endroit pour dormir, Seigneur. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait pour Bethesda. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons notre service entre tes mains. Bénis-nous. Assistez-nous, Seigneur. Nous t'en prions ainsi. Au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit l'honneur. Amen. 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 En guise de doxologie, on va chanter « Aux grâces merveilleuses, don qui nous vient de Dieu ». Le numéro 41 français, chant d'espérance, mélodie joyeuse. Environne. Quand
sujet de gloire. C'est ta sainte croix divin sauveur et par ton sang. Nous marchons tous en vainqueur. Je et le chant qu'entendent les élus. Plus vaste que la mer. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer source. Coule en plein désert par ce courant de vie. Que s'apprête à célébrer cette année encore, l'Église évangélique baptiste Bethesda a-t-elle un soutien, un fondement biblique? Oui,
Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, le chapitre 23, les versets 14 à 16, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu prescrivit à l'Israélite trois fêtes obligatoires à observer. Premièrement, la Pâque. Célébrée le 14 Nisan selon le calendrier juif, qui correspond pour nous à mars-avril, rappelle le souvenir de la libération d'Israël et sa sortie d'Égypte. Durant cette fête, les aliments consommés selon un protocole symbolisaient différents aspects de leur condition d'esclave. Au cours du repas pascal et durant toute la semaine qui suit, on ne mange que du pain sans levain, car dans la nuit de l'Exode, dans leur hâte de quitter l'Égypte, les femmes n'avaient pas eu le temps de laisser la pâte lever. La semaine suivant la Pâque, du 15 au 21 Nisan, c'est ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Pour nous, ce serait peut-être comme le pain pita. Le dernier jour de la fête des pains sans levain, un autre événement est souligné. Comme c'est déjà la moisson de l'orge, l'Israélite présentait à Dieu la première gerbe de l'orge. C'est ce qu'on appelle la fête de la première gerbe. Mais la fête de la première gerbe était le prélude, le coup d'envoi de la deuxième fête principale. Amen, Bethesda. Je sais que vous avez l'impression que ça s'est coupé en plein milieu, mais effectivement, le reste est à suivre. Demande à ton voisin, c'est quoi la moisson? Demande à ton voisin, c'est quoi la moisson? Demande à ton voisin, c'est quoi la moisson? Ah, c'est quoi la moisson? On se prépare à célébrer la moisson. J'espère que durant les prochains jours, vous pourrez suivre la suite de notre histoire, de c'est quoi la moisson, c'est pourquoi nous célébrons cette fête. On aimerait prendre le temps de ce matin. Est-ce que vous êtes bénis dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes bénis dans la présence de Dieu? J'aimerais que tu puisses dire bonjour à quelqu'un pendant que tu as la même personne que tu as demandé c'est quoi la moisson. Dis bonjour, je m'excuse, j'ai oublié de te dire bonjour. Dis-lui, je m'excuse, j'ai oublié de... Il y a des gens qui n'ont pas vraiment bougé. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui bonjour, bonjour. Sois béni, bonne journée. Je suis content de te voir ce matin. Ceux qui nous suivent en ligne, nous sommes heureux de vous voir. Nous sommes contents que vous soyez avec nous. Nous espérons que vous pourriez nous joindre à un certain moment à l'église dans les lieux. Mais on est très contents de vous avoir ce matin. Ce matin, c'est le temps, c'est beau de vous voir sourire. C'est beau de vous voir sourire. Ce matin, c'est le temps de prendre le temps de dire bonjour à nos visiteurs. S'il y a des gens qui nous visitent ici pour la première fois, on aimerait que vous puissiez vous lever pour que l'église puisse vous accueillir. Si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous demander de vous lever. Ah, d'accord, j'ai une visiteuse. Cette visiteuse-là, elle est particulière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, qui sont avec nous pour la première fois? Tu es mon ami Instagram, c'est ça? D'accord. Ça, c'est une demoiselle qui me suit sur les médias sociaux, qui m'avait demandé l'église. Puis on est content de te recevoir ce matin. Sois béni. Sois béni dans la présence de Dieu. Sois béni. Nos officiers vont vous remettre une petite carte, simplement la remplir. Et on va pouvoir garder le souvenir de votre présence parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à la maison. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir, Bethesda, qui nous visite ce matin? Les amis, profitons de toutes les opportunités que le Seigneur nous donne pour parler de lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Toutes les opportunités sont bonnes pour parler de Christ. Toutes les opportunités sont bonnes. Ça, c'était même pas intentionnel, c'est le Seigneur qui fait. Alors, frères et sœurs, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Représentez Christ partout où vous êtes. Laissez le Seigneur vous utiliser. Laissez le Seigneur utiliser votre beauté pour sa plus grande gloire. Laissez le Seigneur utiliser votre talent pour sa plus grande gloire. Laissez le Seigneur vous utiliser pour sa plus grande gloire. Utilisez les médias sociaux. Ne laissez pas les médias sociaux vous utiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'évangile. C'est votre puissance pour affronter tout ce qui se passe présentement. Est-ce que vous êtes bénis jusqu'à présent, peuple de Dieu? Nous allons continuer à adorer ce matin. Nous sommes heureux de vous recevoir. Ceux qui sont avec nous, comme j'ai dit, en ligne, et que vous êtes dans la ville, vous êtes à Montréal, faisez le déplacement, venez nous voir. Nous serons heureux de vous accueillir. À nos visiteurs qui sont là régulièrement, aux gens qui sont là régulièrement, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une parole, qu'il vous donne un mot pour pouvoir continuer cette semaine, pour vous fortifier dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué d'être dans la présence du Seigneur? Jamais. Jamais. Donc, on va pouvoir ramasser les dîmes et les offrandes. On va chanter, louer. On va chanter le chant qu'on connaît, triomphant, chantant d'allégresse. J'aimerais que vous preniez la disposition qui vous convient pour pouvoir louer devant le Seigneur, le roi des rois.
avec moi. Le cri de mon âme, le cri de mon âme. Le cri de mon âme. Comment, parle avec ton Seigneur. Parle avec ton Seigneur ce matin. Alléluia, elle te réclame. Jésus pour son roi. Mon joug est facile, mon joug est facile. Ton fardeau léger. Je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais dis sur mon cœur docile. Comment dire au Seigneur, règne au bon berger, règne au bon. Chante alléluia. Plus de mots, chante alléluia. Même quand je suis désespéré, alléluia. Quand je n'ai plus les mots, Seigneur Jésus, alléluia. Dans les possibles, Seigneur Jésus, amen, alléluia. Come on, élève ta voix vers le Seigneur, vers le roi des rois, dis-lui alléluia. Alléluia, alléluia, yeah. Alléluia. Laisse ta voix monter vers le roi des rois, dis-lui. Peut-être que tu n'as plus de mots ce matin. Dieu t'entend dire alléluia, yeah. Alléluia. Nous chantons alléluia, yeah. Seigneur, même lorsque la situation nous dépasse, tu restes le seul vrai Dieu, dis alléluia. Seigneur, donne-moi la force d'aller de prêcher la parole, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit me nous remplisse ce matin. Dis alléluia, yeah. Alléluia. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Yahweh. Comment dire avec moi encore? Alléluia. Alléluia. Alléluia pour Bethesda, alléluia. Oui, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi et moins de nous. Alléluia. Nous t'élevons, Père des cieux. Sois glorifié, sois élevé, Yahweh. Nul n'est comparable à toi. Dis alléluia. Seigneur, quand je n'ai plus de mots, merci de ce que je peux simplement crier alléluia. Alléluia, amen, yeah, yeah. Quelqu'un encore, avec tous les peu de force qui te restent ce matin, dis encore une fois alléluia. Même que nous sommes dépassés, Seigneur, de la maladie au nom de Jésus, guéris les enfants qui ont besoin de toi, Yahweh. De la piscine, délivre quelqu'un qui a besoin de délivrance, alléluia. Alléluia, alléluia, amen, yeah, yeah. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia. Comment, comme une prière, va devant ton Dieu, dis-lui. Pendant que nous nous préparons à prier, comment dire alléluia, alléluia. Comment, comment lève ta voix vers le droit, le Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit ta situation ce matin, quel que soit ce que tu désires, la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand la situation me dépasse, merci de ce que je peux crier, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia. Come on, crie alléluia pour nos frères et sœurs qui en ont besoin, crie alléluia pour nos malades. Une dernière fois encore, dis alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous voici dans ce lieu. Ton église est ensemble, se réunit dans ce lieu. Tu demandes des miracles pour tes enfants, des délivrances pour tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Nous avons des malades sur des lits d'hôpital. Lève-les pour nous, alléluia, cet esprit du Dieu vivant. Et lève-les, Seigneur Dieu, pour que le jour de notre moisson, nous puissions venir avec cette offrande d'action de grâce pour te dire merci, parce que tu es un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui fait encore des miracles, alléluia. Alléluia, amen, yeah, yeah. Alléluia, amen. J'aimerais que tu élèves ta voix pour quelqu'un qui en a besoin. Là, maintenant, là où tu es, tu vas prier. Prie avec moi, élève ta voix, dis Seigneur, quel que soit ce qui vient dans ton cœur présentement pour son église, pour nos malades, élève ta voix, on va prier ensemble. Prions, élevons nos voix devant le Seigneur, élevons nos voix. Prions, prions, prions.
Alléluia, Seigneur Jésus, sois glorifié dans ce lieu. Seigneur Dieu, merci de ce que tu opères encore des miracles. Merci de ce que nous pouvons crier à toi en dépit de nos souffrances, en dépit des moments difficiles. Seigneur, quelqu'un est sur un lit d'hôpital et te demande une faveur. Quelqu'un est sur un lit d'hôpital et aimerait que ton nom soit glorifié par leur délivrance. Quelqu'un est sur un lit d'hôpital, aimerait, éternel Dieu, qu'un médecin croit en ton nom parce que tu vas les lever de ce lit d'hôpital. Quelqu'un est sur un lit d'hôpital et croit que tu peux les délivrer pour qu'une infirmière puisse te connaître, Seigneur Dieu. Quelqu'un qui a parlé de toi, Seigneur Jésus. Lève-les ce matin de la piscine, là où tu es en train d'agiter ce lieu, pendant que tu agites ce lieu où nous sommes. Que les malades sont guéris. Les malades sont guéris à travers un écran. Les malades sont guéris à travers un téléphone. Nous prions, éternel Dieu, que ta présence soit palpable dans les lieux où nous nous trouvons en ce moment. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que quelqu'un entende parler de toi, que quelqu'un voit la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, que l'espérance que quelqu'un a donnée à travers la prédication de ta parole ou avoir enseigné quelqu'un soit palpable, que quelqu'un qui ne te connaît pas. Seigneur, bénis ton église. Seigneur, te donne-nous une autre opportunité de parler de toi, Seigneur Jésus. Merci Père, merci pour le Dieu que tu es. Merci, merci parce que tu entends la prière de tes enfants. Lorsque nous prions ardemment, lorsque nous te cherchons, les malades peuvent être guéris. Seigneur Dieu, nous te prions pour les enfants autistes dans ce lieu. Seigneur Dieu, nous te prions pour les enfants autistes dans ce lieu. Seigneur, nous te prions pour les enfants autistes dans ce lieu. Seigneur, toi qui restaures la parole, toi qui restaures les malades, Seigneur Dieu, donne-nous un nouveau chant. Et ton Dieu, donne-nous des témoignages vivants. Donne-nous des témoignages vivants de ta gloire. Que quelqu'un entende parler de toi par les délivrances que tu opères dans ce lieu, Yahweh. Nous te disons merci. Alléluia. Nous magnifions ton nom. Ton église est entre tes mains. Et nous nous unissons ensemble pour te dire que tu es merveilleux, que tu es grand. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu opères des miracles dans ce lieu. Alléluia. 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 Pendant que tu prends la posture que tu désires, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, Père. Oh Seigneur, tu es dans ce lieu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Nous te disons merci durant ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous avons appris que lorsque ton Saint-Esprit nous habite, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, tu vas au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Seigneur Dieu, tu rends ce qui est impossible possible dans ton nom puissant. Et ton église est venue dans ce lieu, là où ta présence demeure, là où nous sentons que ton Saint-Esprit est dans ce lieu. Nous prions que des malades soient guéris, que des vies soient restaurées, que des gens dépressifs se retournent à la normalité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, là où tu es, nous croyons que là où tu es présent, Seigneur Dieu, là où ton Saint-Esprit de Dieu habite, Seigneur Dieu, tu donnes une nouvelle ère, tu donnes un nouveau feu pour que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions prêcher ta parole, que quelqu'un entende parler de toi, que quelqu'un voit l'amour de Jésus en nous, Yahweh. Et nous sommes venus dans ce lieu en ce moment. Seigneur Dieu, nous croyons que là où tu es, là où ton Saint-Esprit de Dieu habite, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, même les paralytiques se lèvent, Jésus. Les stériles enfants dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui avaient été condamnés sont libérés dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi voulait attacher des chaînes, nous prions la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, dans ce lieu, nous sommes venus avec un cœur reconnaissant, tout bas coupé devant toi, te dire, Seigneur, prends ta place, Père. Nous ne sommes pas dignes, nous n'avons rien de bon, mais nous te disons merci. Parce que lorsque nous comprenons que ton Saint-Esprit nous habite, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, les montagnes peuvent être déplacées. Quelqu'un qui avait dit non pour nous, Seigneur Dieu, la porte peut être ouverte, pas pour notre gloire, mais pour que ton nom soit glorifié, Yahweh. Seigneur, nous sommes venus dans ce lieu. Seigneur Dieu, opère des miracles parmi nous, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, nous ne pouvons passer sous silence nos malades, nos frères et nos sœurs qui attendent une délivrance. Seigneur Dieu, pendant que nous nous préparons à cette moisson, offre à Bethesda une offrande de prémisse des malades qui sont guéris pour que nous puissions venir devant toi avec un bruit de louange, avec un cri d'adoration, un cri de remerciement. Il y a des gens qui pleurent, ça fait longtemps. Père Seigneur, délivre tes enfants, Yahweh. Donne à ton église un nouveau témoignage, Yahweh. Seigneur Jésus, nous croyons que tu existes.
Seigneur Dieu, nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu fais encore des miracles. On perd tes miracles dans la vie de Bethesda, Yahweh. Donne-nous. Et quelqu'un qui a encore peur, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'est pas sûr, fais-le pour que ton nom soit glorifié, pour que quelqu'un entende parler de toi, pour que quelqu'un soit convaincu que tu existes encore, Yahweh. Seigneur, nous sommes venus à tes pieds, Yahweh. Seigneur, nous prions, car Dieu, au Père Céleste, que tu passes dans les rangées de cette église. Quelqu'un qui est en souffrance, restaure dans le nom puissant de Jésus. Délivre tes enfants qui sont enchaînés, Yahweh. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, nous prions vraiment que ta grâce nous entoure. Seigneur Dieu, que l'aura du Saint-Esprit déborde de nos vies. Que partout où nous passons, dans un métro, dans nos écoles, dans nos travaux, au travail, Seigneur Dieu, que quelqu'un sente quelque chose de différent en nous, Yahweh. Nous te le prions, Seigneur Dieu. Et nous croyons que tu peux le faire, Père. Nous croyons que tu peux le faire. Seigneur, il y a des paralytiques spirituels qui ont besoin d'être levés. Relève-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est mort, quelqu'un est à terre. Relève-les dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Agite la piscine de Bethesda. Fais éclater ta gloire dans la vie. Fais éclater ta gloire dans la vie de ton église, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis nos visiteurs, Père. Les gens qui sont parmi nous, qui nous visitent, Seigneur Dieu, nous prions que ta paix les accompagne, que ta force les accompagne, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous de briller dans ce quartier, Seigneur Dieu. Donne-nous de briller dans ce quartier, donne-nous de briller dans nos communautés, pas juste ici dans ce lieu, pas juste ici sur la première avenue, mais donne-nous de briller dans toutes nos maisons respectives, que nos voisins viennent chercher l'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous, Yahweh. Seigneur Dieu, nous voici devant toi, Père. Seigneur Dieu, tu nous vois. Seigneur Dieu, donne-nous de méditer ta parole, de passer du temps, de la comprendre, de la lire, Seigneur Dieu, de la vivre, Seigneur Dieu. Donne-nous de prier, Seigneur Dieu. Donne-nous de chercher ta face par des supplications dans les moments difficiles. Ne nous laisse pas nous perdre en parlant avec d'autres personnes, mais laisse-nous te chercher pour savoir quelle est ta volonté pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, donne-nous de te suivre, de t'aimer et de refléter Jésus partout où nous passons, Yahweh. Bénis ton église, Seigneur. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, pendant que nous approchons dans ce pays les élections très bientôt, Père. Seigneur Dieu, mon Père Céleste, mets les gens que tu décides, Seigneur Dieu, mon Père Céleste. Seigneur Dieu, et nous savons que tout est sous ton contrôle, Père. Seigneur Dieu, bénis les têtes dirigeantes, Seigneur Dieu. Mets les bonnes places, mets les bonnes personnes aux bonnes places, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, nous te prions pour tellement de choses et nous croyons que puisque le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu, tu ouvriras des portes que nous n'avons jamais pensé ou imaginé. Tu ouvriras un stationnement là où nous n'avions jamais pensé. Tu ouvriras, tu donneras à des gens de te connaître à travers le message que nous laisserons étant Dieu, mon Père Céleste, dans ce quartier, Père. Seigneur Dieu, nous sommes entre tes mains. Donne-nous de vivre Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Donne-nous de vivre Jésus-Christ. Seigneur, je prie en particulièrement pour quelqu'un qui a besoin de force pour parler de toi d'ici avant la fin de l'année 2022. Puisque nous comprenons, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que demain n'est pas promis. Donne la force à quelqu'un qui n'a pas encore réussi à parler de toi. Donne-lui une opportunité. Ouvre des opportunités pour que nous puissions parler de toi, Père. Donne-nous une opportunité de parler de toi. Et Seigneur Dieu, mets le feu du Saint-Esprit en nous. Pour que des gens soient bénis, des gens soient délivrés, des gens entendent parler de toi. Et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ continue de passer à travers le monde. Élève des missionnaires, élève des serviteurs, élève des pasteurs, élève des femmes qui t'aiment, des femmes qui vont te servir avec tout leur cœur, avec toute leur famille, Seigneur Dieu. Élève des serviteurs, des servantes et des serviteurs dans ce lieu, Yahweh. Merci Seigneur. Père, pendant que nous terminons cette prière, nous prions, Seigneur Dieu, pour Haïti, Père. Les mots nous dépassent, les pensées, Seigneur Dieu, combien d'entre nous ont laissé tomber, mais tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur Dieu, même si tout le monde a oublié, tu ne nous as pas oublié, tu n'as pas oublié ton peuple, Seigneur. Étends ta main bénie sur le pays. Étends ta main bénie sur ce monde. Et Seigneur, face aux tribulations, donne-nous de nous lever et de dire, nous sommes les enfants du roi des rois. Et nous te servirons, nous parlons de toi, nous marcherons de l'avant et nous proclamerons ton nom puissant, le nom de Jésus-Christ, mort, ressuscité à la croix.
Cet esprit du Dieu vivant habite-nous. Prends la première place dans ce lieu. Seigneur Dieu, sois glorifié, sois exalté. Toutes ces choses, nous te les prions, non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Amen. Bethesda, amen. Bethesda, juste avant de continuer, j'aimerais t'inviter encore une fois à ne pas avoir peur de parler de Christ. Ne laisse pas l'année 2022 se terminer. Dieu te demandera compte si d'ici la fin de l'année, tu n'as pas pris des actions tangibles pour parler de lui. N'aie pas peur de Christ et il n'aura jamais peur de toi. Donc je vous encourage à prêcher la parole. Comme je l'ai dit tantôt, prêche la parole si le Seigneur t'a donné avec la beauté, prêche ta parole avec ta beauté. Si tu l'as donné par le poème, fais-le avec des paroles. Si tu l'as donné avec le chant, fais-le à travers le chant. De quelle que soit la manière que tu l'as donné, prêche sa parole. C'est la première chose. Et deuxièmement, Bethesda, est-ce que vous vous préparez à cette grande fête de moisson? Frère, est-ce que vous vous préparez à cette grande fête de moisson? Fête de moisson, des prémices, des meilleurs, le meilleur de ce que nous avons. Et pour cette année, ce qu'on aimerait faire, Bethesda, c'est qu'on aimerait que vous puissiez venir. Lorsque vous allez venir avec votre offrande de remerciement pour des premiers de ce que Dieu vous a donné, j'aimerais que vous puissiez venir avec votre offrande tangible dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu a fait quelque chose de tangible pour vous? Ok, pour les 10 personnes qu'il a fait quelque chose, nous glorifions le Seigneur. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont assis ici, si ce n'était pas la grâce du Seigneur. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur. Même le petit travail que vous avez, si ce n'était pas la grâce du Seigneur, vous ne serez pas où vous êtes. Sur cette année, je parle, ce que nous aimerions, c'est que vous veniez cette année avec votre offrande tangible. Je sais que la technologie nous permet de faire toutes sortes de choses. Mais ce que nous aimerions cette année, c'est que Bethesda vienne pour offrir à votre Dieu une once de ce qu'il a fait pour vous. Vous savez, si vous respirez, si vous fonctionnez, vous savez, en cours de route, c'est facile de perdre la foi, mais Dieu a des façons de nous rappeler qu'il est grand et qu'il est merveilleux. Vous savez, lorsque vous voulez tout abandonner, et puis Dieu vous montre qu'il vous avez prié pour quelque chose et il vous le donne. Je ne sais pas si vous, cette semaine encore, d'autres témoignages de la grandeur de notre Dieu. Frères et sœurs, cette année, venez dans la présence de Dieu avec votre offrande tangible pour lui dire merci pour le Dieu qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Bethesda, bienvenue à votre église. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche matin pour adorer, glorifier et magnifier notre Seigneur ensemble. Jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez été bénis par la présence de Dieu. C'est maintenant le moment pour nous de saluer nos visiteurs, tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois, que ce soit en ligne ou dans le sanctuaire. Si vous êtes là, faites-nous un signe de la main, on veut vous voir. Ainsi, les officiers vont vous remettre une carte. On vous demande de prendre le temps de la remplir afin que nous puissions prier pour vous et avec vous. De plus, si vous nous suivez, on vous invite à vous abonner à nos pages, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et même Instagram. En cet instant, on veut aussi vous encourager, si la propagation de l'Évangile vous tient à cœur comme à nous, à semer dans ce ministère, soit par PayPal ou encore par virement bancaire. Maintenant, frères et sœurs, je vous demande de disposer vos cœurs et d'ouvrir vos esprits et vos oreilles afin que vous puissiez entendre ce que le Seigneur a à nous dire avec notre serviteur, le pasteur Samuel
Joseph. Soyez bénis. Amen. Alors, comme Samuel a un F aussi dedans, Samuel Fritzberg, donc on va l'inverser, c'est Fritzberg Samuel. On va se lever pour la lecture de la parole du Seigneur dans Actes 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, on va lire les versets 25, 20 à 25, inclusivement. Actes chapitre 12, versets 20 à 25. Et nous saluons tous ceux qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. On est content de vous voir. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse ce matin encore, que vous profitiez de cette communion fraternelle qui fait partie de la réalité de la vie chrétienne active et vivante, et pour la manifestation du Saint-Esprit et des prodiges du Seigneur au milieu de nous. Donc, le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on va lire ensemble ce texte de Actes chapitre 12, les versets 20 à 25 inclusivement. On va lire ensemble. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, le ciel dit sa parole. Un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé, rongé de ver. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il ne bénisse pas sa parole. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. En ligne et en présentiel, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Nous aimerions introduire le message d'aujourd'hui avec les remarques suivantes. Des remarques sur le passage qu'on vient de lire. Comme nous venons de le lire, le texte du message d'aujourd'hui est un très court passage de seulement 6 versets. 6 versets dans le livre des Actes des Apôtres, qui est en fait le livre des Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. À travers les apôtres pour l'accomplissement du plan de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, je reprends, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres pour l'accomplissement du plan de Dieu. Notez bien dans ce court passage, comme dans tous les autres, de tout le livre des Actes, et depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, dans ce passage, comme dans tous les autres, depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est toujours présent et en contrôle. Première remarque, dans tous les passages, depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est toujours présent et toujours en contrôle. Deuxième remarque, chaque passage contribue au développement et ou à l'accomplissement de Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc remarquez bien, j'ai bien dit, chaque passage est un développement et ou l'accomplissement de ce plan que Christ lui-même a donné pour l'expansion de l'Évangile. Chaque passage. Troisième remarque. Et toujours, selon ce court passage et tous les autres du livre des Actes des Apôtres, qu'importe le persécuteur, qu'importe le persécuteur et la forme de persécution, les disciples remplis du Saint-Esprit ne reculent jamais. Les disciples remplis du Saint-Esprit ne reculent jamais devant absolument rien. Les disciples remplis du Saint-Esprit ne reculent jamais devant absolument rien. Et l'expansion de l'Évangile et la croissance de l'Église continuent. Non seulement les disciples ne reculent pas, mais l'Évangile continue à se répandre et l'Église continue à grandir, malgré les persécutions. Et je trouve ça extraordinaire quand on peut comprendre ces vérités profondes qui sont dans ce livre et sous l'influence du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit de Dieu. Notre objectif et nos prières à travers ce thème de moisson, bien le thème de la moisson de cette année, la grande commission et le Saint-Esprit, c'est que les actes du Saint-Esprit continuent encore. Ma prière, mon objectif, c'est que les actes du Saint-Esprit continuent encore aujourd'hui, mais au travers de nous. Les apôtres ne sont plus, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit est le même? Est-ce qu'il a changé? Mais c'est que, écoutez, le travail du Saint-Esprit continue encore aujourd'hui, mais au travers de nous. Au milieu de nous et avec nous. C'est ma prière. C'est aussi mon objectif à travers ce thème. Nous prions que, de tout cœur, que les actes du Saint-Esprit de Dieu continuent encore aujourd'hui, comme on l'a vu dans le livre des Actes des Apôtres, à travers de nous, au milieu de nous et avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent cela? Combien qui veulent cela? Combien qui croient cela? Le Saint-Esprit n'a pas changé. On peut vivre encore ces miracles et prodiges sous l'influence du Saint-Esprit, en sorte que quand on vient ici, on sent la présence de Dieu. On est béni par la présence de Dieu. On est transporté. On voit Christ se manifester. Et puis on est reparti complètement transformé. C'est ma prière. C'est aussi notre objectif. Aussi, nous aimerions apporter deux précisions importantes pour une meilleure compréhension de ce court passage, ou encore notre texte. Pour une meilleure compréhension du texte d'aujourd'hui, nous allons apporter deux précisions. La première précision concerne le roi Hérode. La première précision concerne le roi Hérode. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre monde sous le règne d'Hérode le Grand, qui fut le père, ou si vous préférez, le fondateur de la dynastie hérodienne, Hérode le Grand. Écoutez, mais cependant, une chose qu'on doit se rappeler, et après lui, il y a eu d'autres Hérodes, parce que c'est une dynastie. Il y a eu Hérode Antipas, au Tétraque. Vous vous souvenez, quand Jésus-Christ devait revenir dans le pays, il y avait Archélaus qui était dans la Judée. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a eu d'autres Hérodes. Hérode Antipas. Il y a eu aussi Hérode Agrippa 1, Hérode Agrippa 2. Et puis, le Hérode dont il est question dans ce court passage, le roi Hérode dont il est question dans le passage d'aujourd'hui, c'est Hérode Antipas 1er. Le texte que nous venons de lire parle de Hérode Antipas 1er.
La deuxième précision que nous aimerions apporter concerne la région de Tyr et de Sidon. Parce que dans le texte, on a bien lu, et donc il y a eu conflit entre Hérode et les habitants de Tyr et de Sidon. Nous aimerions porter cette précision sur la région de Tyr et de Sidon, qui était une région côtière située au nord de la Galilée, en Phénicie, qui est le Liban d'aujourd'hui. La Phénicie, c'est le Liban d'aujourd'hui. La Bible a beaucoup parlé des cèdres du Liban. Est-ce que vous avez remarqué cela? On parle beaucoup des cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, beaucoup parlé de cela. Eh bien, c'est de cette région qui était appelée autrefois le marché des nations. Liban, ou la Phénicie était appelée le marché des nations, et dont les marchands étaient des princes parce que les marchands étaient les plus riches de la terre, nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Selon Ésaïe 23, verset 3 à 8, qu'on ne va pas s'arrêter pour lire. Aussi, le roi David, les rois David et Salomon d'Israël et les Hirans de Tyr et de Sidon entretenaient aussi une très bonne relation. Je reprends. Les rois David et Salomon d'Israël et les Hirans ou Hiram de Tyr et Sidon entretenaient de très bonnes relations. D'ailleurs, les maisons de cèdre de David et de Salomon, les maisons de cèdre de David et de Salomon, ainsi que le temple de Jérusalem, ont été construites avec l'aide des rois Hiram de Tyr. Et maintenant, on va lire le texte pour apprécier cela. Donc, c'est avec l'aide des rois Hiram de Tyr et de Sidon, qui fournissent d'ailleurs des bois de cèdre et de cyprès. Lisons ensemble le texte de 2 Samuel, chapitre 5, verset 11. On va lire ensemble, regardez le texte, vous allez voir. Il dit que Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Et aussi dans le texte de 1 roi 5, versets 3 à 11, qui est un peu plus long, on va avoir d'autres informations parce que, écoutez, ces gens entretiennent de bonnes relations. Tu sais que David, mon père, dit Salomon au roi Hiram, n'a pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, dit Salomon au roi Hiram, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Maintenant, je vais m'arrêter tout petit peu pour un court commentaire. Dieu t'a-t-il donné du repos? Repos sur les tensions, les balles qui tirent, repos sur la misère. Dieu t'a-t-il donné du repos? Qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Voici, dit Salomon, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Voici, « Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. » Le texte dit que lorsque le roi Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie. Il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. » Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire.
Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. » Et Hiram, le verset suivant, dit que « Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. » Voyez-vous la relation entre les deux royaumes? Les deux royaumes. Donc, quand on parle de Tyre et Sidon, on n'est pas sur une terre étrangère. On n'est pas exactement dans un domaine qui ne nous est pas familier après avoir lu ce texte. Et aussi, dans ces précisions que je vais apporter, n'oubliez pas aussi Sarepta. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce mot-là, Sarepta? Sarepta, où Dieu avait trouvé la seule veuve chez qui envoyait son serviteur, le prophète Élie, pour qu'il soit nourri durant les 3 ans et demi de famine. La seule veuve. Donc Sarepta se trouvait exactement dans cette région-là, à Tyre et Sidon. À Tyre et Sidon. Et c'est intéressant parce que le Seigneur a dit, c'est lui-même qui a, dans Luc chapitre 4, versets 25 et 26, voici ce que le Seigneur a dit. Il dit que, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Quand ça? Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Je vais aussi vous faire une autre recommandation. Frères et sœurs, servez le Seigneur de manière à ce que quand il aura besoin de quelqu'un, il puisse se servir de vous. Amen. Et ceci sans pancarte, sans publicité. Mais parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on obéit, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Voyez-vous, Dieu a cherché dans tout Israël, il n'a pas trouvé une seule veuve qui était prête à accepter avec cette dernière poussière de farine, cette dernière goutte d'huile, de mettre Dieu en premier. La veuve avait très bien dit, il ne me reste qu'une poussière de farine et qu'une goutte d'huile, c'est le dernier repas qu'on va manger, moi et mon fils, et puis nous mourrons après. Le prophète lui a dit, fais-moi d'abord. Allô? Et puis, Dieu a cherché partout en Israël, il y avait seulement Sarepta, cette veuve qui était prête à mettre Dieu d'abord, même dans des circonstances extrêmes. Quand c'est difficile, quand il n'y a pas moyen du tout, Dieu est toujours le premier. Allô, l'Église? Et Dieu a cherché partout. Et Dieu cherche encore aujourd'hui. Il cherche encore aujourd'hui des serviteurs et des servantes qu'il aime à ce niveau-là, à ce point-ci. Alors, Jésus-Christ a dit, c'est seulement Sarepta. Et Sarepta faisait partie de cette région. Et aussi, une dernière chose pour concerner la précision de cette région de Tyre et de Sidon, quand le Seigneur reprochait les villes incrédules et impénitentes, il avait aussi cité la région de Tyre et de Sidon et qui aurait fait beaucoup mieux et qui seraient traités moins rigoureusement s'ils avaient eu les mêmes privilèges que ces villes ont eu. Vous savez, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes privilèges. Allô? Est-ce que c'est vrai? Mais Dieu va nous demander compte pour chaque privilège qu'il nous donne. Dieu va nous demander compte pour chaque privilège qu'il nous donne. Est-ce qu'il t'a donné beaucoup de sagesse? Est-ce qu'il t'a donné beaucoup de moyens? Est-ce qu'il t'a donné beaucoup de possibilités? Dieu va nous demander compte pour tous les privilèges qu'il nous donne. Et Jésus-Christ dit, si les résidents seront traités moins rigoureusement que vous, parce qu'on n'a pas eu autant de privilèges. Est-ce que vous avez des privilèges? Et c'est pour ça que Dieu dit, on va demander beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Et c'est pour cela, frères et sœurs, ne prenez pas l'évangile à la légère. N'entrez pas à l'église et ressortir sans être nourri, béni et touché par la présence de Dieu. Dieu va nous demander beaucoup parce qu'il sait qu'est-ce qu'il nous a donné. Est-ce que l'église m'entend ce matin? Et aussi, une dernière chose concernant cette précision sur cette région de Tyre et de Sidon,
Pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait visité la région de Tyr et de Sidon. Il a été lui-même dans cette région-là. C'est là qu'il avait rencontré la femme cananéenne. Vous vous en souvenez? Dans Matthieu 15, lorsque la femme lui a dit, « Ma fille est pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus-Christ n'avait rien répondu. Et puis finalement, Jésus-Christ a dit, « C'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » Et puis toi et moi, on aurait explosé l'église ici et la ville de Montréal pour dire, « Écoute, en moi, voici celui qui prétend être Christ. » Et pourtant, c'était un test. Et quand cette femme a passé le test, à qui je lui dis, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. » Amen, l'Église. Vous savez, quand notre foi est petite, nos réponses sont sur nos lèvres. Nos réactions sont à portée de main. Mais quand notre foi est grande, on fait confiance au Seigneur. On traverse les difficultés parce qu'on croit que notre Dieu est en contrôle. Et si alors Jésus-Christ a été sur place. Donc, je vous ai fait ces détails, c'est pour une meilleure compréhension de ce court passage qui est notre texte d'aujourd'hui. Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce court passage titré, et ceux qui ont la Bible, vous allez voir que c'est titré « Mort d'Hérode ». Ce court passage titré « Mort d'Hérode » nous dit particulièrement deux choses. Deux choses qui sont les deux points du message d'aujourd'hui. La première chose, le passage nous dit comment le roi Hérode, Agrippa Ier, qui s'était dressé en persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, est mort. Qu'est-ce que le texte veut nous dire? Comment Hérode, Agrippa Ier, est mort. Au verset 20 à 23, c'est la grande partie du texte. Et la deuxième chose que le texte nous dit, qui est le deuxième point du message, c'est et combien l'Évangile avait continué d'être proclamé et le nombre de disciples augmenté. Versets 24 et 25. Et c'est ça le passage. Comment le roi Hérode, Agrippa, était mort et combien les chrétiens, l'Évangile avait été proclamé, mais les chrétiens avait beaucoup augmenté en nombre. Les chefs religieux, avec leurs menaces, leur arrestation, leur emprisonnement et leur défense express, n'avaient pas réussi à arrêter l'élan et la détermination des apôtres remplis du Saint-Esprit. Malgré les arrestations, les emprisonnements, les menaces, écoutez, ils n'avaient pas pu arrêter l'élan des apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit. Non, ils n'avaient pas pu. Et en somme, ils n'avaient pas pu arrêter l'élan des apôtres remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas pu non plus les empêcher d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ comme Pierre. C'est-à-dire, ou bien avait répondu dans Acte 4, versets 19 et 20, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'au... de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Écoutez, les amis, arrêtez-vous un instant, vous me demandez de vous suivre, de jugez en vous-même. S'il est sage, c'est une bonne chose. S'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il a ajouté ceci au verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. Ce que nous avons vu nous a transformés. Nous sommes témoins de ces choses. On ne peut ne pas en parler. C'était la réponse de Pierre et de Jean. Aux chefs religieux.
Plus tard, Saul de Tarse, dans son objectif d'éradiquer la doctrine de Jésus-Christ, semblait donner un certain espoir aux chefs religieux parce que Saul de Tarse avait quand même réussi à faire lapider Étienne. Et non seulement cela, et causé par la violence, par le meurtre et la terreur, causé la fuite de Jérusalem de tous les disciples, toute la multitude de disciples, excepté les apôtres. Donc Saul de Tarse avait donné un certain espoir aux chefs religieux. Mais, rencontré par le Christ sur le chemin de Damas, lui-même est devenu un fervent prédicateur de l'Évangile. Rencontré sur le chemin de Damas, Saul de Tarse est devenu un fervent prédicateur de l'Évangile et aussi un puissant instrument de l'expansion de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui le père de la mission moderne. Saul de Tarse. Et c'est pour ça qu'il a été si persécuté, parce qu'on avait fondé un certain espoir sur lui. Et le Seigneur a changé le cours de l'histoire. Et voici maintenant, d'ailleurs, on le lit dans Actes 9, verset 31, on dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse s'est converti. Saul de Tarse, maintenant, prêche l'Évangile. Et voici maintenant le roi Hérode, Agrippa Ier. Pour des raisons politiques, avait entrepris ce que j'appellerais une activité très dangereuse. Selon Acte 12, le verset 1er, que Pasteur Samuel avait prêché pour nous vendredi soir dernier. Hérode Agrippa Ier avait entrepris une activité extrêmement dangereuse. Il s'était mis à maltraiter les membres de l'Église de Jésus-Christ. Avec son pouvoir, il s'était mis à maltraiter les membres de l'Église de Jésus-Christ. Et le pire, et ce qu'il faisait, il ciblait les leaders de l'Église. Et c'est pourquoi il faut prier pour nos leaders. Amen. Les gens le savent, quand les leaders tombent, c'est quasiment tout le groupe qui tombe. Et puis il ciblait, c'est très stratégique son affaire, il ciblait les leaders principaux de l'Église. Le verset 2, donc acte 12, verset 2, l'explique très bien, explique que, qu'il fit mourir par l'épée. Mourir par l'épée, c'est une mort cruelle. Allô, l'Église? Il fit mourir par l'épée, d'une mort cruelle. Jacques, le frère de Jean. Jacques, c'est le numéro 2 des 12. Dans toute la liste, on dit Pierre, Jacques, Jean, écoutez, un des trois compagnons de prière de Christ. Un des trois compagnons de prière de Christ, il fait mourir Jacques par l'épée d'une mort cruelle. Et c'est ce que le verset 2 nous explique. Et comme Pasteur Samuel avait martelé et vendredi soir dernier, ce qui m'a frappé en préparant ce message, c'est parce que, vous savez que le Seigneur choisit, le Seigneur choisit parfois, sinon toujours, ceux qu'il aime pour être ses martyrs, pour être martyrs pour la gloire de son nom. Et puis, des fois, on a la difficulté à accepter cela. Ceux qui le servent, qui marchent avec lui. Jésus-Christ choisit parfois, sinon toujours, ceux qu'il aime
pour être soit martyr ou pour faire éclater sa gloire. Et on peut penser à Job, qui dit que Job était un homme intègre et droit. Dieu a permis que Satan lui frappa à un niveau terrible. On peut aussi penser à Lazare. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et pourtant, c'était l'ami de Jésus. D'ailleurs, les sœurs ont bien dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. » Notre frère ne serait pas mort. Pensez-y bien. Et voici, ici, on a Jacques. On a Jacques, un des trois compagnons de prière de Jésus-Christ. Le numéro 2 parmi les 12. Hérode l'a transpercé avec une épée d'une mort cruelle. Il n'avait rien fait. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Peut-être que vous diriez, mais Seigneur, je vais arriver là. Probablement, les apôtres, personne, même les apôtres, dit, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Et la chose qui m'a frappé le plus, et Jean non plus, le frère de Jacques, n'a pas boudé le Seigneur. Allô? Jean, le frère de Jacques, n'avait pas boudé le Seigneur. Et d'après, j'ai réfléchi. Vous vous souvenez lors de la mort des deux fils du sacrificateur Aaron? Vous vous en souvenez? Dieu avait dit à Aaron, tu ne sors pas dehors, tu ne pleures pas, tu ne t'en occupes pas. Est-ce que Dieu est un Dieu méchant? Non. Et c'est pourquoi on a besoin de comprendre l'Évangile. Nous avons besoin de comprendre le Seigneur. Pour le servir, vois-tu, quand tu te donnes à lui, si tu me donnes un cadeau, si tu me donnes une voiture, je peux faire ce que je veux avec. Si ta vie est entièrement au Seigneur, il peut en disposer comme bon lui semble pour sa gloire. Mais des fois, nous sommes devant le fait que nous le disons avec notre bouche, mais en réalité, ce n'est pas vrai. On dit, Seigneur, je t'aime. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mais quand tu sais pas, un petit crasse. Jacques a été transpercé par l'épée et tué par l'épée d'Hérode. Et le verset 3 de Acte 12 nous dit que, voyant que cela faisait plaisir, je ne sais pourquoi, c'était pour des raisons politiques, Hérode cherchait la faveur des Juifs. Voyant que cela faisait plaisir aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre, le numéro 1 des 12. Pierre, Jacques, Jean. Dans toutes les listes, le numéro 1 des 12. Et Hérode fut arrêté Pierre. Il fut arrêté Pierre avec le dessein de le faire mourir au moment de la plus grande écoute de l'année, après la Pâque. Vous savez qu'on parle des heures de pointe, n'est-ce pas vrai? Et dans la station radio, on parle des heures où il y a des heures où, quand l'émission passe à cette heure-là, vous devez payer plus cher parce que tout le monde écoute. Et ce monsieur avait choisi ce moment pour son jeu politique. Ou bien encore, si vous voulez, son spectacle politique. Et il avait choisi, avec le dessein de faire mourir Pierre après la Pâque. Après la Pâque. Je ne sais pas si vous serez bénis comme moi, et comme le verset 6 de Acte 12 le dit bien, la nuit qui précède le jour de comparution de Pierre, ça veut dire quelques heures avant, c'est pourquoi Dieu n'a jamais trop pressé. Allô? Faites-lui confiance, abandonnez-vous à lui. S'il décide que non, que son nom soit glorifié. La nuit qui précède le jour où il devait comparaître, frères et sœurs, Jésus-Christ a décidé qu'il n'en sera pas de Pierre comme il fut de Jacques. Allô? Il n'en sera pas de Pierre comme il fut de Jacques.
Seigneur a envoyé son ange pour délivrer Pierre de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Frères, sœurs, savez-vous ce que cela veut dire, cette intervention du Seigneur? Avez-vous compris très bien ce que cette intervention magistrale du Seigneur veut dire? Parce que quand le texte, c'est ce que Pasteur Samuel avait étudié pour nous vendredi soir, présenté pour nous, quand l'ange est entré, écoutez, lumière allumée, il n'y avait pas de lumière avant, chaîne tombée, et puis on a fait sortir Pierre, lui-même se croyait dans une vision. Une intervention magistrale. Savez-vous ce que ça veut dire? Cette intervention magistrale du Seigneur, laisse-moi vous le dire. Ça veut dire que Jésus-Christ aurait pu délivrer Jacques. Allô? Jésus-Christ aurait pu délivrer Jacques de cette mort cruelle par la main d'Hérode, s'il le voulait. S'il le voulait. Et pourquoi ne l'avait-il pas voulu? Parce qu'il était méchant, s'il avait une préférence pour Pierre, non? Le temps de Jacques était terminé. Sa mission, terminée. Nous n'avons pas la clé de notre vie, c'est Dieu qui l'a. Et c'est pour ça que nous devons profiter de chaque jour que Dieu nous donne pour le servir. Allô l'Église? Amen. Profitons de chaque jour que Dieu nous donne pour le servir. Il aurait pu délivrer Jacques s'il le voulait. Comme nous l'avions déjà dit, il y a certains de nous que le Seigneur a choisis pour sa gloire. Soit pour mourir martyr, ou encore plus jeune, ou pour être éprouvé, mais tout ceci c'est pour la gloire de son nom. Et c'est pourquoi j'invite Bethesda. Bethesda, je ne vous parle pas pour que nous soyons des gens religieux qui viennent dimanche matin à l'église, pour que nous connaissions le Seigneur. Et que dans les circonstances difficiles, et puis on reste debout dans notre foi. On fait confiance au Seigneur. On vit pour lui. On le glorifie. Et c'est pourquoi d'ailleurs Paul dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Allô? Soit par ma vie, soit par ma mort. J'espère que le Seigneur va vous élever à ce niveau pour le servir dans cette consécration. Que vous vous abandonniez à lui, que vous le serviez avec joie, sachant qu'il ne peut, d'abord, il ne fait pas d'erreur. Il ne peut vouloir ton malheur. Il a déjà donné Jésus-Christ pour toi. Amen. Il ne peut pas t'offrir moins que cela. Il n'y a rien de contraire à cela. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Amen. Pour que nous fassions confiance à notre Dieu, que nous abandonnions à lui. Et on pourra dire avec l'apôtre Paul, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien de ceux qui aiment Dieu. Et non seulement le Seigneur avait délivré son serviteur, l'apôtre Pierre, de la main cruelle du roi Hérode, mais aussi, regardons ensemble, frères, regardons ensemble rapidement dans ce court passage d'Actes 12, verset 20 à 23, la fin tragique et humiliante de ce roi Hérode, Agrippa Ier. Comment il est mort? Le roi Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon.
Le texte nous dit que, sans détail d'ailleurs, que le roi avait pris des dispositions hostiles à l'égard des habitants de ce territoire, du territoire de Tyr et de Sidon. Il a pris des dispositions hostiles. C'est ce que le texte nous dit. Et comme, un exemple, comme le premier ministre, puis rappelez-moi aussi de vous dire un petit mot sur l'élection, comme le premier ministre du Québec serait en conflit avec la région de Montréal et puis voterait des lois qui ne seraient pas favorables à Montréal. C'est juste un exemple, pas vrai? Et maintenant, regardez bien ceci, le texte dit ceci. Les leaders et les représentants du territoire de Tyr et de Sidon, avec l'aide de Blast, qui était le conseiller ou le chambellan du roi Hérode, eh bien, ces gens s'étaient soumis et avaient demandé une alliance de paix à Hérode. Maintenant, pour célébrer cette grande victoire, je dirais diplomatique, parce qu'il n'y avait pas de sang coulé, pour célébrer cette grande victoire diplomatique qui était aussi son tout dernier moment de gloire. Pourquoi son dernier moment? Parce qu'il n'a pas su glorifier Dieu. Alors, Gémo, mon bon Dieu, c'est pas pour gloire, c'est pour la gloire de son nom. Gémo, mon Dieu fait pour mon frère, ma soeur, c'est pour nous qu'il a glorifié, pour tout le monde connaît son grand bon Dieu. Il connaît lever le monde, il connaît bénir le monde, il connaît exaucer ses prières. Malheureusement, ce monsieur n'a pas su glorifier Dieu, c'est son tout dernier moment de gloire. Et le texte nous dit que pour célébrer cette grande victoire diplomatique qui était aussi son tout dernier moment de gloire, car le verset 21, acte 12, 21, nous dit que vêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, au lieu de glorifier Dieu, il harangua publiquement ses sujets. Haranguer veut dire, c'est comme il fait des discours pompeux pour parler de vous-même plutôt que de Dieu. Pour parler de vous. Et aussi pour inciter le peuple à l'action. Alors, il harangua, il parlait de lui-même, de ses. Exactement. Le texte nous dit que, d'ailleurs, à son discours, le peuple a crié voix d'un Dieu et non d'un homme. Et le ciel a dit son mot. Voix d'un homme, faible, mortel. Allô? Et c'est pour cela, recherche l'applaudissement du ciel plutôt que l'applaudissement des hommes. Et c'est malheureux aujourd'hui parce que bien, on fait des grands sacrifices pour rechercher l'applaudissement du monde. On fait beaucoup de compromis pour être accepté par le monde. Et on oublie complètement la bénédiction de Dieu qui nous est indispensable. Je suis fier d'être moi-même. Allô? Je n'ai pas besoin de me maquiller, boucle d'oreille, tatouage, j'en ai pas besoin. Je suis Fitzbert Joseph, serviteur du Seigneur. Amen. Amen. J'en ai pas besoin. Et si je dois pas rester à la télévision, je vais pas rester comme je suis. Parce que avant tout, je suis serviteur de Dieu. Et personne ne m'obligera à mettre des boucles d'oreille. Personne. Parce que je suis ce que je suis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce que je suis, il faut qu'on fasse savoir, connaître au monde que notre Dieu est vivant, tout puissant. Nous avons des valeurs au-dessus de leurs valeurs. Et c'est triste des fois, très triste ce qu'on voit aujourd'hui. Pour être accepté. Regardez, écoutez, ses amis. Pendant que le peuple a crié voix d'un Dieu et non d'un homme. Il a dit que l'ange du Seigneur frappa le roi Hérode sur le champ. Sur le champ. Pendant qu'il était sur le trône, assis sur le trône, et il expira. Et sa personne n'a pas la vie. Mais ce qui frappe le plus, c'est parce que le texte prend plaisir pour nous dire qu'il mourut rongé de vers. Frères et sœurs, imaginez-vous un instant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder avec les yeux.
il expira, rongé de vers. C'est pour ça que le texte parle de comment le roi Hérode était mort. C'était le message dans ce passage. Et c'est sûr, il y a des leçons pour nous. Il expira, rongé de vers. Et non seulement le roi Agrippa Ier, Hérode Agrippa Ier, le meurtrier de Jacques, finit brusquement, minablement et lamentablement. En d'autres mots, le roi Hérode finit très mal. Allô? Il finit très mal. Et on peut l'imaginer sans funérailles. Parce que si on veut vivre la scène, quand ton cœur est rongé de vers, des vers qui mangent, on doit s'empresser de le mettre en terre carrément. Sans funérailles. Mes amis, c'est le bon Dieu qui a bénédiction, frères et sœurs. C'est le bon Dieu qui a grâce. Frères et sœurs, servis bon Dieu, attendez. Jeunes gens, investis jeunesse pour servir mon Dieu. Oui, tout à l'heure, il m'était béni. Son pasteur m'a dit, si mon Dieu est bon beauté, pas gaspiller, fait intéressant comme sous belle. Non, servir mon Dieu avec beauté. Quittez mon marché pour découvrir que c'est votre bon Dieu. Amen. Ou belle, c'est vrai, mon Dieu, bon beauté, moi, servir mon Dieu. Ou intelligent, ou gain succès, mais on sait qu'on connaît mon Dieu. Et puis les apps suivent, après vous l'avez suivi, après qui m'ont nué, ils découvrent qu'on compte mon Dieu. Allô? Ou riche, et pour ne pas prendre richesse qu'on nous a acheté l'évangile. Personne ne peut acheter l'évangile. Mais ou servir mon Dieu avec richesse que mon Dieu. Frères et sœurs, on nous servit mon Dieu, non? On nous marche avec mon Dieu, non? Pour que nous découvrions mon Dieu, non? Qui bénit nous, qui le veut, non? Eh bien, je vais terminer. Non seulement le roi Hérode Agrippa Ier, le meurtrier de Jacques, finit brusquement, minablement et lamentablement, entre moi il finit très mal, il n'est plus. Mais ce qui est intéressant, et le texte, et c'est flagrant, le texte nous dit qu'au verset 24 et 25, le texte dit que cependant, quoi? La parole de Dieu se répandait de plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Malgré les persécutions, malgré les oppositions farouches, la parole de Dieu se répand. Et c'est pour ça, frères et sœurs, écoutez-moi, n'ayez pas peur des persécutions. N'ayez pas peur des menaces. Parce que de toute manière, la parole de Dieu va faire son chemin. La parole de Dieu, il est exigé clairement. Cependant, excusez, nous sommes en verset 24 encore. Regardez bien, il dit, nous sommes la parole de Dieu, fait son chemin. La parole de Dieu fait son chemin, se répand de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmentait. C'est avec un établissement terminé avec ceci, regardez bien. Malgré les chefs religieux, malgré Saul de Tarse qui est repenti, malgré Hérode capturé monde, l'évangile continue de prêcher. Amen. C'est pour ça, et puis, le monde continue de sauver. Allô, l'Église? Amen. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas du tout peur des pressions. Et je vais conclure avec la leçon suivante que je vais partager rapidement. C'est, écoutez, vous savez que pourquoi est-ce que l'Église continue? C'est parce que Jésus-Christ avait fait une déclaration. Il avait dit ceci. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts. Quelque forme l'y prend, quelque grosseur l'y, les portes du séjour ne peuvent rien contre mon Église. Allô? Amen. Est-ce qu'on a l'Église Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'on est chrétien? Amen. N'oubliez pas, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre vous. Il se pourrait que Dieu quitte ou mourit. Ça fait partie pour sa gloire. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette Église. Donc, et puis je termine avec ceci. Écoutez bien ceci. Frères et sœurs, laissez-nous conclure avec la leçon suivante. La première, la plénitude du Saint-Esprit de Dieu est indispensable pour l'expansion de l'Évangile. La plénitude du Saint-Esprit de Dieu est indispensable pour l'expansion de l'Évangile, pour la confiance des leaders et aussi pour la croissance de l'Église. On en a besoin. Et ça fait, Paul t'a bien dit, soyez remplis du
Saint-Esprit. Comme je dis encore, on a fait une erreur grave en pensant qu'être rempli, c'est juste parler en langue. Ça n'a aucun rapport. Soyez rempli. La plénitude du Saint-Esprit est indispensable pour la croissance, pour l'expansion de l'Évangile, pour la fermeté, la confiance des serviteurs. En ce qu'on ne recule devant rien. Et l'on remplit du Saint-Esprit, même s'il y a un danger, ou fait mon Dieu confiance. Parce qu'on ne peut pas garder à toi, garder en haut. Et c'est important. Deuxième leçon que je voudrais partager avec vous pour que vous reteniez, la deuxième, c'est parce que aussi, maltraiter les membres de l'Église de Jésus-Christ, qu'on ne va pas maltraiter Christ, mais c'est lui persécuter. Allô? J'ai bien dit, maltraiter les membres de l'Église de Jésus-Christ, c'est persécuter Jésus-Christ. Comme il avait dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Donc c'est persécuter Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Et c'est une entreprise, je dirais, c'est une entreprise très dangereuse parce que mon frère, ma soeur, tu échoueras certainement. Tu ne réussiras pas. Quand tu persécutes l'Église de Jésus-Christ, tu ne peux pas finir bien. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Quand vous persécutez l'Église de Jésus-Christ, vous persécutez les membres de l'Église de Jésus-Christ, vous ne pourrez pas terminer bien. On l'a vu avec même les frères de Moïse, qui étaient pourtant des gens replacés dans la hiérarchie du peuple de Dieu. Aaron et Marie. Marie frappée de lèpre. Et plus tard, écoutez, Dathan et tout son groupe, la terre a fendu. Elle les a engloutis. Vous ne pouvez, et puis c'est une leçon qu'on doit apprendre, vous ne pouvez pas persécuter, maltraiter les membres de l'Église de Jésus-Christ et finir bien. À bon entendeur, salut. Troisième leçon. Les persécuteurs n'auront jamais la victoire. Les persécuteurs n'auront jamais la victoire. Même quand ils font mourir, ou bien ils font des martyrs, même quand ils font des martyrs, ils finiront sous le jugement sévère de Dieu. Il se pourrait que au Seigneur Étienne qui mourit, le lapide à Coutroche. Il se pourrait. Il se pourrait aussi que vous soyez de ces femmes qu'on a violentées. Mais je vous dis encore une fois, à moins de vous repentir, vous ne finirez pas bien. Vous ne finirez pas bien. Et dernière remarque ou dernière leçon que je vais vous laisser aujourd'hui. J'espère que Dieu vous a béni au travers de tout cela, mon frère, ma soeur. C'est parce que l'Évangile, malgré leur persécution et leur maltraitance, ou bien la persécution maltraitance de nos adversaires, l'Évangile va continuer à se répandre. Et des âmes seront sauvées. Donc soyez du bon côté. Allô? Amen. Soyons du bon côté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Bethesda. Pour que nous servions Dieu dans une grande consécration. Pour que nous asseyons à ses pieds, que nous soyons bénis par sa présence. Et qu'il dise de nous, vous avez choisi là la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever comme il n'est pas tôt. On va se lever pour prier. Sauf que je vais vous demander de faire une chose. Là où vous êtes, si vous êtes béni, ouvrez vos cœurs au Seigneur. Demandez-lui de vous remplir de son Esprit Saint pour que vous le serviez avec grâce et avec une pleine consécration. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions et nous te louons ce matin pour ce temps que tu nous as donné ensemble à tes saints pieds. Tu nous as placés devant ta parole que tu nous as ouverte et tu nous parles à chacun de nous pour nous rassurer, pour nous fortifier et pour nous combler de bien. De grâce, ne nous laisse pas partir sans cette provision sur mesure que tu as faite pour chacun de nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Fais éclater ta gloire dans la vie de chacun de nous. Et bénis Bethesda pour que nous soyons cette église selon ton cœur,
avec des enfants, des adolescents, des jeunes, des hommes, des femmes qui t'aiment, qui sont disposés à faire ta volonté, qui craignent ton nom et qui veulent proclamer l'évangile malgré les pressions d'aujourd'hui, les invitations, les harassements. Que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié. Reste avec nous et bénis-nous richement, abondamment, par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ne partez pas, mes amis. Écoutez, vous savez, en venant pour... Asseyez-vous. En venant ici à l'église, tout à l'heure, j'étais avec Sœur Annie, et puis, je m'empressais de venir. C'est vrai, j'ai croisé une voiture, mais je ne l'ai pas mis en danger comme tel. Le monsieur est tellement choqué. Il a trouvé un moyen pour venir devant moi et puis arrêter sa voiture pour que je rentre derrière lui. Il ne s'est pas content de cela. Arrivé en avant, il est sorti de sa voiture pour me dire, il est sorti de la voiture pour venir me parler, pour m'agresser. Je dis merci beaucoup. Et j'ai compris que le combat est terrible, frères et sœurs. Et le monsieur aurait pu me frapper, il aurait pu faire autre chose. Il est descendu de sa voiture, il est venu me parler pour crier sur moi. Et je comprends que notre vie chrétienne de chaque jour, c'est un combat. Mais notre victoire est assurée, n'est-ce pas? On va écouter les annonces, ne partez pas, s'il vous plaît. On va écouter les annonces, on a besoin de vous. C'est important. Allez-y pour les annonces que Dieu vous dit, mon amour. Merci d'avoir adoré avec l'Église évangélique baptiste Bethesda. Voici des annonces. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient, Bethesda. Nous aimerions savoir comment ce thème « Allez, faites de toutes les nations des disciples » vous a impacté jusqu'à présent. Nous voulons entendre vos témoignages. Prière de voir le pasteur Samuel ou la sœur Diana afin de donner vos noms pour vous inscrire et nous pourrons partager ce que Dieu a fait pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Le département de l'évangélisation vous invite ce vendredi, le 30 septembre, pour un temps de veille de nuit de 21h45 à minuit en présentiel. Nous vous rappelons que notre soirée d'évangélisation pré-moisson de cette année aura lieu le 2 octobre à 19h et nous serons en présentiel à l'église, notre première depuis la pandémie. Déjà, nous vous demandons de prier pour la réalisation de cette belle activité qui donne l'occasion à tous d'évangéliser. Toute l'Église est encouragée à inviter surtout ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus. On vous invite à vous connecter pour un temps de prière spécial pour le service d'évangélisation tous les samedis avant le 2 octobre de 8h à 8h15 AM. Le code est le 847-1628-4546. Mot de passe 333-444. Vous voulez partager l'Évangile avec votre entourage, mais vous n'avez pas les mots justes? L'Église met à votre disposition des brochures d'évangélisation. Le temps presse. Si vous voulez vous en procurer, contactez un membre de l'équipe, soit Sœur Maudeline, Sœur Marquise, Frère Daniel ou Sœur Ginette. Merci et que Dieu vous bénisse. Qui dit moisson, dit couleur. Et cette année, nous vous proposons le orange. Moment tant attendu de se rencontrer à nouveau est arrivé. C'est avec une grande joie qu'on vous annonce le brunch annuel des couples, style potluck ou repas partagé, le samedi 22 octobre 2022 de 11h à 14h. Inscrivez-vous auprès du couple Rousseau. Au plaisir de vous voir! Tous les lundis de 9h30 à midi, nous vous invitons à venir prier avec nous dans le jeûne de prière. On vous attend sur la ligne téléphonique. Nous vous attendons tous les lundis matins dès 9h30. Soyez bénis. Tous les mercredis et vendredis. De midi et demi à 12h45. Nous t'attendons dans le salon privé du groupe Facebook de la JEEBB pour un moment de prière popcorn. Relève-toi. Relève-toi et brille. Toutes les activités de la semaine sont suspendues pour faire place aux 40 jours. Eh oui, la chorale des jeunes reprend ses activités. Vous nous avez trop manqué. Tu as 18 ans et plus et tu aimerais chanter de beaux chants pour la gloire de Dieu?
Ne manque surtout pas cette occasion de t'inscrire auprès de Mimi, Magdala ou Rukama pour faire partie de cette belle famille de la CDJ. Les inscriptions sont présentement ouvertes jusqu'au 1er octobre. Le samedi à 14h, les juniors vous attendent pour le temps de répétition. À 14h, les dames vous attendent. Venez vous joindre à la chorale des dames. À 16h30, la grande chorale de Moisson vous attend. À 18h, les hommes vous attendent pour le temps de répétition. Dimanche matin, à 9h45, c'est l'école du dimanche. Suivi du service d'adoration à 11h. Et par la suite, un dimanche sur deux, la jeunesse vous attend. Continuons à semer dans le ministère de l'Église avec nos dîmes et nos offrandes. Vous pouvez le faire par virement bancaire, soit à l'adresse dons@eglisebethesda.ca, réponse Bethesda. S'il vous plaît, n'ayez pas oublié de mettre votre numéro d'enveloppe de dîmes ou vos coordonnées s'ils ont changé par le site internet de l'Église, sur PayPal, ou encore en venant à l'église et déposant vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez aussi envoyer le tout par la poste à l'adresse de l'église, soit le 7012 1ère Avenue à Montréal, Québec, H2A 3H7. Veuillez prendre note que nous n'avons plus de case postale. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir adoré avec nous. Passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. On complète avec juste quelques petites annonces très importantes. Premièrement, la personne qui a laissé ses clés va avoir beaucoup de difficultés à probablement démarrer l'auto. Alors, si vous cherchez vos clés lorsque vous arrivez, et peut-être que la voiture est loin aussi, venez les chercher. Le pasteur va vous demander un frais. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai pris les clés. Donc, c'est 1 000 $. OK. Aussi, d'autres annonces très importantes. On est à la recherche d'un tuteur en mathématiques. Si vous êtes disponible, Il y a des jeunes qui en ont besoin et que vous pourriez donner ce temps pour aider quelqu'un, un tuteur en mathématiques. Je pense que c'est du secondaire, hein, je pense. Un tuteur en mathématiques. Alors, quatrième secondaire? C'est ça, secondaire 4. Alors, si vous êtes disponible, okay, que le Seigneur vous a donné les capacités, on sait qu'on en a plusieurs. D'ailleurs, je prends le temps de féliciter quelques jeunes. C'était pas prévu. Je sais que Luc Henry, avec son groupe d'ingénieurs, ont remporté un prix pour un avion. Une voiture qu'ils ont faite. Une voiture qu'ils ont fait ensemble. Bon. Ils ont remporté un prix ensemble. C'est vraiment beau. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On peut l'applaudir, hein? Ouais. C'est Luc Henry, félicitations. Comme le pasteur aussi avait dit là, récemment, on a aussi un jeune homme qui joue au soccer à Hamilton. Le Seigneur bénit, il faut encourager ces jeunes et leur le dire publiquement. Alors on prend le temps de leur dire félicitations, continue le bon travail et laisse Jésus briller même dans ton sport. Amen. Aussi de plus, à part le tuteur, on est aussi pour les gens, la garderie, la moisson, s'il vous plaît. Comme vous avez pu voir, les enfants participent avec nous au service. C'est une bénédiction lorsque le Seigneur nous les donne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et pas vous dites pas Amen. Alors, on a besoin de votre aide pour pouvoir les garder durant le service. Okay. Est-ce qu'on peut dire simplement, on avait déjà eu une rencontre cette semaine et puis on veut que tous les parents restent parce qu'on est en train de bâtir un calendrier. On veut s'assurer que tous ceux qui ont des enfants participent. Tous ceux qui ont des enfants, et on aura un meilleur horaire pour cela et tout le monde pourra aussi adorer. Sinon, on va courir avec les enfants passés par là. Et je pense qu'on se fait tort en agissant de cette manière-là. Alors, tous ceux qui, même si vous étiez là, parce qu'on avait commencé les calendriers, on aimerait vous avoir tout de suite après, c'est pour une courte communication pour compléter ce calendrier-là pour la moisson, s'il vous plaît. Et on parle beaucoup des parents, mais aussi les jeunes, si vous voulez aussi aider, certainement donner votre nom, soit à la Sœur Tatiana ou à la Sœur Esther, ils vont prendre vos noms. Et pour la moisson, comme on a dit, on a besoin, même si c'est une heure de votre temps que vous allez pouvoir donner, ça va pouvoir aider avec le processus. Alors, s'il vous plaît, voir ces gens-là. Matinée missionnaire qui reprend ce samedi, d'accord? Alors, la matinée missionnaire des enfants seront connectés ce samedi à 10h. Aussi, tantôt, j'ai parlé de vos offrandes tangibles. On parlait à quelqu'un cette semaine qui m'a dit, moi, ça me dérange beaucoup d'aller à la banque, de faire la ligne. Oui, c'est ça l'exercice. L'exercice, c'est d'aller à la banque, d'attendre, puis
de, d'amener votre offrande physique. Alors, on vous attend. Alors, pour la moisson, on demande, comme je fais je donne mes dîmes aussi électroniquement, on demande à tout le monde, puisque ce jour-là, on va apporter nos prémices, tout le monde d'apporter vos prémices, parce que vous allez venir en avant pour déposer vos prémices, au lieu de le faire en électroniquement. Okay. Donc, une dernière chose que je vais mentionner aussi avant que de la bénédiction, et après, je vais demander à Dr. Belfort de venir pour nous la bénédiction, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. OK? Mais la raison, c'est parce que, une chose, j'ai reçu un appel pas trop longtemps je pense que du bureau de Franz Benjamin, qui est le député libéral de cette région-là. Je ne fais pas de politique, mais une chose que je vais dire, je me suis dit, j'ai réalisé que Mme Anglade a été presque seule dans son coin, parce que je ne dis pas le reste. OK? Maintenant, si nous, on ne la supporte pas, eh bien, on va rater notre occasion. Et je pense qu'on doit apprendre à cultiver cela. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas dans la politique. Mais je me suis dit, si elle, en tant que... Même si je ne lui ai jamais parlé, je pense que ce serait une bonne chose de lui donner un peu de support. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, merci à tout ce que je veux dire. Je ne les reçois pas ici, mais c'est tout ce que je veux dire. N'oubliez pas, comme communauté, c'est le moment de nous exprimer, il faut le faire. Est-ce que vous avez compris, Bethesda? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Docteur Belfer, bienvenue dans sa bénédiction. Oh, je m'excuse. Il y a deux docteurs ici. Je m'excuse, c'est Docteur Belfleur, mais docteur, tu peux venir. Je me reprendrai. Et c'est bon qu'il y ait 1000 docteurs. À ce moment-là, on les aura à tous les niveaux. Que le Seigneur vous garde. Garde-nous, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bénis-nous, Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous et demeure dès maintenant et à jamais. Amen, amen. Donc, une seconde. Bethesda, merci d'avoir adoré avec nous ce matin. Nous espérons que vous avez été bénis. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos chaînes si ce n'est pas déjà fait, soit YouTube, Facebook et Instagram. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente semaine.